Toutes et à tous, un mot tartare en pleine période de confinement. Ouais, je fais partie de ces élus qui ont le droit de travailler. Je trouve d'ailleurs qu'en cette période, il y a beaucoup trop de monde dehors. Alors sont-ils, comme moi, des gens qui travaillent ? Moi, je rentre à la maison là, pour tout vous dire, j'ai bossé toute la matinée. Et je rentre à la maison pour ne plus sortir pendant une bonne semaine pour retourner peut-être au travail, on verra, en fonction de la nécessité d'y retourner. Et je dis bien la nécessité, c'est la nécessité qui me pousse à y aller. Voilà. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nécessité. Donc restez chez vous. Regarde ça. Allez, on rentre à la maison. Et puis on voit ce que ça donne. J'ai été contrôlé ce matin. Je sais pas si je serai recontrôlé cet après-midi. Ah, ce soir, enfin à midi quoi. Si vous m'entendez tousser, c'est le pollen, hein, vous inquiétez pas. Enfin, je sais que vous vous inquiétez pas, de toute façon, vous en avez rien à foutre. Ah non, peut-être pas, c'est pas le genre de la communauté. Ouais, on n'est pas sur un circuit, il y a des limitations à garder. Oui, ça. Donc, outre le fait que je suis un des privilégiés qui a le droit d'aller bosser en ces périodes de confinement, c'est clair, je suis privilégié, j'ai le droit de bouger. Je le fais une fois dans la semaine maximum. Mais le peu que je bouge, les gars, on n'est pas sur des circuits. C'est pas parce qu'il n'y a personne qu'on doit envoyer comme des porcs, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Déjà qu'en période normale, vous envoyez pas mal. Mais alors là, il y en a certains qui abusent. Alors, moi je dis, il y a quand même un truc, hein. On est sur la route, on la partage. Super. Cette route, on la partage. On n'est pas tout seul. Alors, on voudrait ne pas mourir du Covid-19, mais on voudrait pas mourir non plus sur les routes. Hein. Les urgences, elles n'ont pas besoin de connards. Il n'y a pas d'autre terme. Qui envoient comme des porcs en termes de vitesse, quoi. Donc, levez un peu le pied, c'est 80 maximum, hein. Donc moi je suis à 81 compteur, vous voyez, voilà, 80. Pourtant je pourrais envoyer à bien plus, mais et d'une, c'est pas mon habitude, et de deux, c'est irresponsable, vous mettez la vie des gens en danger en faisant ça. Donc, moi je dis, quand vous prenez la voiture, c'est en cas de nécessité et vous respectez les limites de vitesse, le code de la route. C'est pas parce qu'on vit un événement extraordinaire qu'il faut faire n'importe quoi. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais finir mon trajet jusqu'à la maison. Portez-vous bien. Je veux que ce signe là, le V motard que je fais là devant vous, là, celui-là, je veux qu'il ait une signification particulière, parce que pour moi, s'il y a un moment où il doit prendre toute sa signification, c'est maintenant. Donc, on est des motards, on a notre signe à nous, mais il représente des choses. Et l'entraide, c'est une de ces choses. Alors entraînons-nous. Alors entre motards, c'est certain. Mais entraînons-nous tout court, parce qu'on est des hommes avec un grand H. Et voilà. Voilà, c'est ma pensée, c'est la pensée du jour. Et surtout, prenez soin de vous. Alors là, c'est pas un ride safe, c'est restez chez vous.
pour ceux qui prennent la moto pour aller au boulot, ben ride safe quand même. Profitez un max parce qu'on a cette chance malgré tout, c'est d'aller au boulot, d'être en vie et de pouvoir malgré tout rider, même si c'est dans des circonstances particulières et qu'on a peut-être pour certains plus envie d'être auprès de la famille que d'aller risquer sa vie. Pour certains, parce que moi on va pas dire que je risque ma vie, pas plus que celui qui va faire ses courses alors qu'il a déjà 2 mois de provisions chez lui, hein, vous m'avez compris. Donc je prends pas plus de risques que celui qui va faire ses courses. Mais alors toutes les professions médicales, tous ceux qui travaillent en supermarché, toutes les forces de l'ordre, tous les pompiers, tout le SAMU, chapeau messieurs, dames, et merci pour le travail effectué. Sur ce, ben, je vais faire ça comme pour un grand reportage. C'était Motartare au temps du confinement. Oh, c'est superbe, regardez ça. Eux, ils vivent dans le pré, tranquillement. Oh là 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 là, j'avais jamais vu ça. Alors on se le refait. C'était Motartare au temps du confinement. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Restez chez vous. À plus. Salut.